Et bonjour à tous et à toutes, c'est Roctive, et aujourd'hui on se retrouve un peu beaucoup en retard pour la suite de notre let's play sur Heart of Iron. Alors je suis désolé, j'ai pas pu filmer l'épisode de Heart of Iron ce week-end, parce que tout simplement je n'étais pas chez moi. Donc je vais rattraper maintenant, hein, et demain vous aurez du Crusader Kings. Donc voilà, deux vidéos pour le début de semaine, hein, j'essaierai d'en faire une troisième quand même en fin de semaine. Voilà, alors la dernière fois nous étions arrêtés, nous étions bloqués ici. Voilà, avec la flotte portugaise, chaque fois qu'ils nous bloquaient pour le débarquement. Le problème c'est que on m'a recommandé de faire des sous-marins. Le problème c'est que j'ai pas masse de. Enfin. J'ai pas beaucoup de trucs de construction. J'avais des unes qui étaient en train de se faire. Mais voilà, à part ça, j'avais pas non plus grand chose. Donc je crois que j'avais demandé à mes troupes de se retirer. Et ce que j'étais en train de faire. Sinon on m'a dit aussi que la flotte de défense elle pourrait aller maintenant passer en rechercher pour détruire ici. Mais elle ne veut pas. Je vais t'enlever ici pareil. Non, je ne veux plus que tu recherches pour détruire ici. Comment on fait déjà pour enlever? Parce que bon, à la limite ils font un débarquement, c'est pas bien grave, hein, parce que de toute façon vu que les troupes qui y sont restées. Par contre je sais plus comment on fait pour enlever. Tenir la position c'est ça, ouais ça doit être ça. Hop, maintenant tu vas ici. Voilà. Comme ça, il va couler les bateaux. Et au pire, si un des convois qui passent, on les coulera. Après. Hop là, voilà. Pile ce que je voulais. Qu'ils attaquent là, la flotte portugaise. En espérant qu'ils gagnent. Mais normalement, ça devrait pas trop poser de problème. On en a déjà coulé un, et de deux, et de trois. Et allez, hop, salut les amis. Voilà, donc normalement, ça devrait peut-être être bon ce coup-ci. On va juste rechercher. Opération sous-marine. Non, bah j'ai pas de sous-marin. J'aimerais bien en avoir pourtant. On va rechercher des sous-marins. Parce qu'en plus, on n'avait pas recherché. Donc, on va en rechercher au cas où. J'attends que la péniche de débarquement soit finie. Et après, je renvoie à l'invasion. Espérant que ça passe cette fois-ci. Ok, Royaume-Uni qui fait dans les Balkans, pas de problème. D'ailleurs... Voilà, péniche de débarquement, c'est bon. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher d'autre? Ça c'est quoi? Retranchement, non, pas dans l'immédiat. Une thèse de construction, ouais, je veux bien. Ok, donc je vais retenter l'invasion, en espérant que ça passe cette fois-ci. Ok, bon, ils sont partis. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas ici, parce que je les ai pas du tout. Qu'est-ce que c'était là? Ok, il a coulé des bateaux. Donc pour l'instant, ça a l'air de passer. Ok, c'était la dernière fois, je crois, dans ce coin-là qu'on s'était fait accrocher. Pour l'instant, ça passe. Parfait. Je regarde s'ils n'ont pas... Non, ils n'ont pas débarqué non plus. Ok, pour l'instant, ça passe. Attention, c'est quoi ça? C'est une flotte? Non, c'est des troupes. Je voulais juste voir avant ce qu'il lui reste au Portugal. Il reste quand même pas mal de troupes et une bonne petite flotte. Hein. Bon, ça a l'air de passer. Ok, c'est bon, on arrive à destination. Maintenant, faut pousser en espérant que le débarquement se fasse. Ça a l'air de réussir. Et après, il faudra vite qu'on prenne le port pour avoir... Eh merde, ils nous ont accroché. Faut vite qu'on débarque. Sinon, ça va être l'enfer. Allez les gars, poussez. Yes, on a débarqué. Et sans plus attendre, hop, on envoie nos troupes là. Et les chars vont faire comme ça. Ah, c'est contre-attaque directe. Ils en ont encore des troupes. Hein. Faut se méfier des Portugais. Allez, on prend le port. Voilà, le port est pris.
Par contre, les régions ibériques, ils ont encore une aviation, donc... je vais peut-être prendre ça quand même au cas où. On va rechercher ça et... la compagnie du génie. Merde, ils sont en train de nous repousser là. Vite, faut que je trouve une issue. Hop là. Voilà. Autrement, non, bah écoutez, pour l'instant, on se replie tous là. S'il vous plaît, repliez-vous. Hop, arrêtez tout. On se replie là. En espérant qu'on tienne, parce que ça n'a pas l'air à... ah, ça va être dur. Hein. Ça va être très dur. Hein. Parce que mine de rien, ils en ont encore des troupes. Comment faire? Est-ce qu'on peut se replier hors de là? Parce qu'en fait c'est juste infaisable, je ne peux rien faire du tout. Non, je ne peux pas. Bah, y en a un bateau là qui est parti, je sais pas où. Non, c'est juste impossible, regarde, ils ont encore trop de troupes, c'est chiant. C'est juste abusé quoi, les mecs ils ont plus de manpower mais ils arrivent encore à entretenir une armée du diable là. Voilà, regardez ça, entre 25 et putain. Bon. Et ben en fait c'était complètement foireux ce débarquement, non mais c'est juste abusé. Si je pouvais voir exactement le nombre de troupes qu'ils avaient, ça m'arrangerait pas mal. Ouais, et puis en plus déjà que j'ai pas beaucoup de troupes, bon. Là ça nous a fait mal hein, qu'ils nous aient repoussé comme ça. Mais c'est juste abusé quoi, les mecs ils ont... Dommage, je peux pas voir je crois le manpower, pas comme dans Europa, mais non mais c'est un peu abusé quand même. Les mecs ils avaient plus rien et ils arrivent quand même à me repousser. Ah, parce qu'il y a le... Ok. Parce que l'Iran le soutient. Ok, les États-Unis qui font un débarquement sur l'Espagne. Ok, bombardement. Ok, normal. Ok. Bah, pourquoi pas. Hein. Comme on n'a pas pu bombarder Hiroshima, bah on bombarde le Rhône, voilà. C'est la France qui en prend plein la tronche, n'importe quoi. Le Rhône qui s'est fait bombarder. Normal quoi. Et si je faisais pas ça moi justement, tiens. Pourquoi je leur bombarderais pas la tronche aux Portugais? Le problème c'est qu'il va falloir ça remettre un peu plus de temps. Et en plus on fait pas d'aviation nous. Ouais non ça va prendre trop de temps à... truc là tout ça en plus on est loin et tout c'est pas l'idéal. Ok, la Turquie qui se fait influencer par le Royaume-Uni. Faudrait que je vais préparer une autre faut que je prépare une autre force d'invasion mais ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Avant que je fasse un... Je vais juste faire ça là. Prendre les petites îles et tout là, genre Cap Vert et les Açores. Et je crois que c'est même pas Cap Vert ça. Non c'est Madère, Cap Vert c'est là. Non les îles Canaries, eux là. Oh là 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 là, ça va pas du tout là. Donc ouais, je vais prendre toutes ces petites îles. Toffel, il est à Cap Vert, donc sauf le Cap Vert là qui est là, je vais les prendre et pas lancer plusieurs invasions simultanées. On va faire ça. Alors, il nous faudrait, et puis les Marines aussi, il faut que je leur fasse faire du génie, reconnaissance, voilà. Donc on va en entraîner, allez on va dire 10 en deux fois. Sans frais. Est-ce qu'on peut les entraîner là-bas? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Hop là. J'aimerais bien faire aussi ça de... des camions, mais camions, j'en produis pas.
C'est ça qui est emmerdant. On va reproduire des chars. Deux fois aussi. Par contre, enfin, peut-être qu'on passe en mobilisation là générale. Ah, ça me fait chier. Non, pas. On va vraiment passer au tout dernier moment qu'on a vraiment plus de troupes et tout, parce que sinon, ça va juste être l'enfer. Le problème, c'est comme j'ai pas d'aviation aussi, ça ne m'aide pas grand beaucoup. Ouais, c'est pas simple hein, tout ça. Bon, moi le Mozambique commence à avoir des troupes timidement, mais il en a quelques-unes. Et l'Angola aussi. J'ai l'impression que la guerre en Europe n'avance pas. Bon, à part que le Rhône se fait bombarder la tronche gratuitement, mais non, à part ça, ça patine un peu. Et la Turquie, je crois qu'elle est en train de se faire forcer par le Royaume-Uni en plus. Pas rejoint la guerre encore. Portugal, qu'est-ce qu'il lui reste? Ouais, toujours autant de troupes. Ouais, rechercher de meilleurs chars peut-être. On porterait quelques trucs en plus. Qu'est-ce qui se passe? Cœur une invasion ou ça? Il doit être là encore, tous les coups, mais ils se font couler comme des nuls, alors bon, ça je m'en fous un peu. À la limite. Bon, au moins là on coule tous leurs bateaux à chaque fois. Leur destroyer. C'est pas mal. Donc il faudrait que je vois où est-ce que je pourrais. Je pense que je ferai un débarquement là encore. Ou là, je sais pas. En fait, à chaque fois j'ai essayé de débarquer à côté des ports. Pour essayer à tout prix comme ça. Et à côté de Lisbonne aussi. Il va y avoir pas mal de troupes. Bon, ils vont intervenir partout là. Parce que là, la Norvège, je crois pas que la Norvège soit dans la guerre. Si. Côté des alliés, la Suède. Non, la Suède n'est pas dans la guerre et la Finlande non plus. Ok. Bon, c'est toujours la tiraille entre France libre et France de lui là. Tiri d'avou. Hop, compagnie du génie 2. C'est bien, parfait. Compagnie de reconnaissance 2, on va faire aussi. Bon, au moins l'Union soviétique a perdu ses terres en Afrique, enfin la bonne partie. L'Éthiopie, qu'est-ce qu'ils étaient, l'Éthiopie, ils étaient... La Bolivie. Pourquoi la Bolivie, je ne sais pas. Ah bah tiens, le débarquement des Américains était repoussé. Et donc Marseille, la nouvelle capitale de la France libre, et Toulouse, la nouvelle capitale de la commune de France. Et Paris dans tout ça, bah Paris, Paris c'est plus rien du tout. Ok. Alors on va... Hop là. Les améliorer. Toujours ça de prix. Ok.
On va faire ça, on va chercher les fusées. En fait, je me prépare aussi accessoirement pour, enfin, si elle arrive un jour, la guerre contre les Anglais, enfin les Alliés. Et bon, pour l'instant, comme je suis bloqué contre un pauvre pays. Ouais, concrètement, c'est rien, hein, regarde. Là, 20 à 44, je galère comme un fou pour un débarquement. Alors imaginez quand ça sera ce truc-là. Regardez, non mais c'est juste abusé, quoi. Et j'en parle même pas de l'URSS, mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Par contre, le royaume de Libye est libre aussi. Et j'aimerais bien qu'il rejoigne ma faction, mais il ne voudra pas. Et j'ai peur que, en fait, j'ai peur qu'ils influencent l'Ethiopie et le royaume de Libye, mais en fait qu'ils rejoignent le Comintern et pas ma, pas mon, ma faction quoi. Et puis la Belgique, ils ont, comme ils ont plus que ça, les Belges, ils ont mis toutes leurs troupes ici, donc ça va être coton ça aussi, on va bien se marrer. Maintenant entre 17 et 40 troupes qui lui resteraient. On va rechercher quand même pour avoir de meilleur, meilleur espionnage parce que là c'est vraiment du, un peu comme du pifomètre de l'enfer. Hein. Il y a quand même une grosse différence, c'est entre s'il reste 17 troupes ou 45. Hein. Ou 40, je sais plus, enfin bref. Allez hop, ça se forme tranquillement tout ça. Et on l'a commencé quand la guerre déjà celle-là, est-ce qu'on peut voir? Non, je sais plus. Ça fait un moment qu'on l'a commencé puis j'ai l'impression qu'on patine. Et maintenant 28 et 50, comme vous voyez, comme les résultats c'est complètement aléatoire. Des Chinois là? Ou c'est l'URSS eux? Ça va être la Chine communiste à mon avis. Et il y a aussi, je crois que les Chinois ils sont... Enfin la Chine est en train de guerre pour les alliés, ouais. Non? Ah si si si. Que les États-Unis qui se font un petit débarquement en KLM ici, là en Russie, ils doivent se... Pardon, doivent se les cailler un peu. Dominion de l'Inde. Ah, ça y est, ils sont devenus indépendants les Indiens. Oh, ça fait longtemps je crois en plus, n'importe comment. Hein. Ah non, c'est Dominion, je crois qu'ils sont pas encore indépendants. Non, pas encore. Je crois que le prochain truc c'est l'indépendance. Ok. Donc nos troupes toujours formées. La Suisse, je sais plus si elle avait rejoint le conflit. Non, la Suisse toujours neutre. Ça ne change pas ça. L'Italie qui récupère un petit peu des terres. Parfait, tout ça, c'est bien. Ok, la première tournée des Marines va être prête. Je pourrais prendre limite le Cap Vert. Hein. Je sais pas si ça m'apporterait grand chose, mais... Moi, je pourrais... Il y aurait un endroit de plus où je pourrais... Puis c'est un brin, mais vraiment un tout petit peu plus haut que la Guinée portugaise. Donc, bon, allez, on va se faire un petit kiff, on va prendre le Cap Vert. Ah, la nouvelle capitale française a changé, maintenant c'est Brest. Pourquoi elle a changé? Parce que Marseille n'est pas tombée, donc je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont faits, ils sont pris un bombardement atomique, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut voir ça? Non, bah je ne sais pas pourquoi c'est Brest maintenant. Ah, parce que peut-être qu'ils ont récupéré Brest, je ne sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire. Ok, j'ai plus de réserve. Bon, bah il est temps de passer à mobilisation générale. Franchement, j'aime pas, hein, mais bon, pas vraiment le choix. Et attends, on est en mobilisation générale alors que je suis en guerre que contre le Portugal. Bon. C'est pas grave.
Ok. Ok, donc les premiers sont là normalement, bingo. Hop. On va donner à lui là. Et on va les amener ici. Non, je veux pas attaquer, je veux que tu... Bon. Hop, tu vas aller là et tu vas me prendre ceci, s'il te plaît. Merci. Ok, ils sont partis. Ok, bon. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Hein. Bon, toujours pas, on n'avance toujours pas. On a quand même tenté un débarquement, il a lamentablement échoué. Moi, je vous retrouve demain pour Crusader Kings. Et sur ce, portez-vous bien. Salut, salut, salut tout le monde.